Bonsoir et bienvenue pour cette dernière session de la deuxième journée du printemps de l'économie. Une session qui est consacrée au racisme, discrimination, inégalité, passé colonial, ces increvables virus qui minent la protection sociale. Il s'agit d'une session qu'on avait déjà euh, pendant la période de confinement. Euh, fait à l'invitation des Gracques. Bernard qui est à côté, euh, merci d'ailleurs pour cette proposition de e-café de, de e commun. Et euh, franchement, elle avait été tellement exceptionnelle que je ne me voyais pas, sur un thème comme guerre et paix, ne pas vous faire bénéficier avec une plus large audience de euh, cette session au contenu très riche. Alors avec la verve et, et, et la fougue bien connue de Pascal Blanchard, euh, et avec... Euh, Lionel Zinsou, qui était d'ailleurs déjà intervenu à plusieurs reprises au Printemps de l'économie, qu'on connaît bien, et, et, et voilà, une très très belle session. Donc je suis vraiment euh, ravi euh, qu'on ait organisé ça dans cette huitième édition avec euh, Bernard, et on est ravi d'accueillir les Gracs au Printemps de l'économie. Voilà, Bernard, c'est à toi. Merci. Eh bien, les Gracs sont aussi ravis de, de participer à cette belle manifestation du printemps de l'économie. Donc, je me présente, Audrey Pulvar. Euh, non, je présente. J'ai été choisi en raison de ma ressemblance euh, et des lunettes. Donc, euh, Audrey, euh, malheureusement, n'a pas pu euh, participer en euh, raison des de ses autres contraintes, mais alors à l'occasion de s'exprimer sur ces sujets. Je suis obligé aussi de dire que nous sommes privés de la présence d'Aïssa, qui devait être... Enfin, et une... est, euh, est malade, donc on s'est tous dit qu'un terme de, terme de prudence pour elle, comme pour nous, et elle était extrêmement fatiguée, que peut-être la meilleure chose, c'était qu'elle puisse plutôt être chez son médecin que venir parler au printemps de l'économie. Voilà, mais comme... Euh, comme comme ça a été dit nous avons deux intervenants exceptionnels alors évidemment en question diversité et euh, équilibre je dois reconnaître qu'on va avoir du mal à, être, à défendre la, la, la chose. Mais enfin, le coronavirus ne respecte rien, papa aime les quotas, et donc euh, ça fait partie de ces injustices. Mais euh, on, on va en traiter de, sur le fond. Alors, Lionel Zinzou euh, nous rejoint dans une seconde, il est dans les couloirs. Donc, ça va être plus facile pour moi de peut-être euh, lire un extrait d'un texte qu'il a signé, qu'il a signé, que vous retrouverez dans son intégralité sur le site des GRAC, euh, qu'il a signé après... Euh, euh, la mort de George Lloyd. Et euh, donc, euh, je voudrais juste vous citer un, 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 une, la, la conclusion de ce texte. Euh, et puis, on, on l'interrogera tout à l'heure sur, sur les raisons qui l'ont fait euh, l'écrire et, 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 et évidemment le, la, 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 la réflexion que ça a suscité chez lui. Longtemps, je lis son, son, ce texte, longtemps j'ai cru qu'être noir ou blanc n'avait aucune réalité intime, que seuls comptaient les barrières de classe. Que les mérites républicaines fabriquaient des vies réussies. Les jeunes générations manifestent pour dire l'invisibilité des couleurs et l'universalité des valeurs. Or, il n'y a dans une vie réussie que ce qu'on fait pour effacer des haines avec du droit et des libertés. Que les polices soient noires ou blanches, exactement comme leurs victimes. Il n'y a qu'un choix qui compte, celui de s'engager pour ceux qui n'ont pas le choix de leur destin. Valeurs contre couleurs, grandeur de l'invisible et misère du visible. Marche de fierté et droit de s'indigner. Merci, Georges, j'ai compris. Voilà, c'est un, un très beau texte. Pascal, peut-être déjà, tu, tu l'avais aussi, tu avais beaucoup réagi à, à la lecture de ce texte. Oui, parce que, d'une certaine manière, Lionel Zinzou, à travers ce texte-là, montrait bien que malgré toute l'action qui peut exister pour l'intégration, toutes les volontés de lutte contre les discriminations, tous les défauts, les discours extrêmement théoriques, on se rendait compte que de l'autre côté du miroir, dans le réel, dans le monde réel, les choses étaient encore sous tension. Et être noir ou être blanc au XXIe siècle, c'était encore signifiant. Ça voulait dire encore quelque chose. Et d'un seul coup, cette image qu'on a tous vue, 1 minute 46, qui a fait le tour du monde, qui a été omniprésente dans nos consciences, personne ne doutait ou ne savait pas pourquoi ça arrivait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on avait tous, au fond de nous-mêmes, la parfaite connaissance de comment on avait pu en arriver là. Pourquoi cet homme blanc, ce policier blanc, dans la rue, devant tout le monde, alors qu'on le filmait pendant 8 minutes 46, quelque part étouffait un autre homme. C'était le poids de l'histoire. C'était le poids des héritages. C'était quelque chose dont on avait tous la clé de décodage. Et ça nous montrait, et Lionel le dit avec énormément d'émotion dans ce texte-là, ça montrait, ça démontrait aussi que tout ce qu'on croyait qui pouvait être dépassé, en fin de compte, nous étions encore dans ce rapport brutal et barbare issu de l'histoire. Et c'est pour ça que ce texte a eu un très fort impact, parce que il soulignait le fait que nous avons encore du travail à faire et que ce travail à faire, face à ces 8 minutes 46, il est extrêmement évident, c'est-à-dire qu'on ne doute pas. Personne ne s'est dit, bah, c'est du hasard si cet homme blanc tue cet homme noir. Personne ne s'est dit, ça n'est pas lié à l'histoire de l'Amérique. Personne ne s'est dit, ça n'a aucun rapport avec la ségrégation aux États-Unis. Personne ne s'est dit, ça n'a aucun rapport avec l'esclavage aux États-Unis. Tout le monde a décodé, parce que nous avons aujourd'hui, à la grande différence de nos aînés, toutes les clés de décodage pour savoir pourquoi ça arrive. Et donc, se dire qu'au 21e siècle, nous avons besoin encore de ces images pour prendre conscience de ce que beaucoup vivent, c'est d'un seul coup être obligé, en 8 minutes 46, de retracer tout ce qui n'a pas encore pu être fait, ou qui n'a pas été assez bien fait, ou qui reste à faire, pour combattre ces discriminations, pour combattre ces injustices, et donc pour aller au plus profond peut-être aussi de nos récits, aussi bien en Amérique qu'en Europe, hein, parce que, rappelons-nous que cette image, Jean-François, qui se fait tuer, qui meurt, c'est une image qui a du signifiant partout, pas simplement en Amérique. C'est-à-dire qu'elle a... Euh, Énormément sensibiliser la jeunesse des pays européens, l'Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre. D'un seul coup, elle devenait une image monde. C'est-à-dire que chacun y appuisait ce qui faisait encore les discriminations dans nos pays respectifs. Et c'est pour ça que le texte de Lionel, il est extrêmement fort, parce qu'il nous dit au départ, avant euh, ce que tu n'as pas lu de la première partie, c'est qu'en gros, il ne croyait pas que nous en y étions encore là. Et que d'un seul coup, tout est remonté de cette prise, non pas de conscience, car Lionel l'avait, mais de visibilité d'une brutalité, d'un brutalisme, disent les Américains si on traduisait le mot immédiat, qui existe et qui demeure toujours dans la société américaine. Et donc, indirectement, sous d'autres formes, parce que l'Amérique c'est pas l'Europe, dans la société française. Oui, alors justement, l'Amérique c'est pas l'Europe et la France c'est l'Europe, mais l'Europe c'est aussi des histoires différentes, un rapport à la mémoire différent, un colonialisme qui s'est pas du tout exprimé de la même façon selon les pays. Donc pourquoi l'affaire Floyd, a, à ton avis, a, a suscité cette universalité et, et, et quelles sont les différences, s'il y en a, euh, que tu peux détecter dans la, derrière l'émotion euh, partagée par tous Est-ce qu'il y a des clés de, de compréhension et de réaction qui sont différentes selon les pays Alors, pour faire simple, peut-être déjà en comparant entre la France et les États-Unis. Ce qu'il y a de point commun, c'est que dans nos pays respectifs, le poids de l'histoire fait encore sens dans le présent. C'est-à-dire que nous savons que nous avons, par exemple en France, mal digéré notre passé colonial. Et on en entend parler. Si des jeunes, je rappelle que les statues qui ont été démontées en Martinique de Scholcher, c'était 48 heures avant la mort de George Floyd. Donc ce n'est pas quelque chose qui, a, qui est né, c'est quelque chose qui était là. Et là, on voit qu'il y a une forme de ressemblance entre nos pays. Cette ressemblance, elle est le poids de l'histoire. L'histoire n'est pas la même, le récit n'est pas la même. L'esclavage a été pratiqué sur le sol intégral de l'Amérique, alors que l'esclavage, par exemple, pour la France, c'est dans les territoires ultramarins. Mais nos sociétés aujourd'hui sont multiples. Et donc, ce qui est en point de rapprochement, c'est ce rapport entre discrimination et passé. Ça, c'est le premier point commun. La grande différence avec l'Amérique, c'est que la question, en Amérique, entre guillemets, de la race, est au cœur des modèles sociaux, des modèles politiques, des discours y compris des partis politiques et de la future campagne électorale, on l'a bien vu, c'est quelque chose qui est omnivisible, qui est là, qui est incontournable, on le voit dans la société américaine, je dirais même que les Américains se positionnent, si vous demandez à un Américain qui il est, il va vous parler de sa race. La France, c'est totalement différent. C'est un, le président de la République qui parlait la semaine dernière au bureau du tabou français avec l'histoire coloniale, et la race, c'est un tabou français. On n'en parle pas, on ne se positionne pas à travers ça, ce n'est pas un référent, ce n'est pas un point d'ancrage de ses identités, mais... Le mais est important parce que ça ne veut pas dire que ça ne fait pas sens dans la société. Se lever le matin et être blanc et se lever le matin et être noir, ce n'est pas forcément le même destin dans la journée. Ce n'est pas le même destin professionnel de trouver un emploi, de subir une discrimination. Ça veut donc bien dire que tout en étant différent de l'Amérique, il y a des processus semblables. Et aujourd'hui, nous avons affaire à une jeune génération qui a été à l'école. Qui a appris l'histoire coloniale ou l'histoire de l'esclavage aux États-Unis ou l'histoire de la ségrégation, qui a été sur les réseaux sociaux, qui s'est abreuvé d'une culture monde qui traite de ces questions et qui est donc particulièrement sensible et beaucoup plus sensibilisée que les générations précédentes à ces enjeux. Qui, elle, analyse immédiatement que les discriminations, les injustices sont liées au poids de l'histoire. Elle va même beaucoup plus loin. Cette jeune génération, elle considère que les aînés n'ont pas fait le travail là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été assez loin, si vous préférez, ou pas assez vite. Je ne sais pas où est-ce qu'on se fait le plus critiquer, mais en tout cas, on se fait critiquer peut-être même sur les deux. Vous n'avez pas fait assez de choses pour combattre ce rapport entre passé et présent. C'est exactement comme pour la question des femmes, vous remarquerez. Il y a eu un combat mené par les femmes pour l'égalité, mais sur, par exemple, les violences sexuelles, bah, vous n'avez pas fait le boulot là-dessus pour que, en amont, un, un travail pédagogique foncier soit fait. Et bien, bah, c'est la même chose qui se dit, parce que cette génération, qu'elle soit en Amérique ou en Europe, elle est sensible de ces questions. Elle voit bien quelles que les discriminations, qui les subit Et que ces discriminations, ça renvoie à la manière dont l'histoire est pensée. C'est pour ça que vous avez eu une forme de conflit générationnel, d'incompréhension de ce que voulaient nous dire les jeunes à travers ça. Ben, ils veulent dire une chose, c'est qu'ils ne peuvent plus attendre. Ils ne veulent plus attendre et on ne doit plus attendre. Et là, c'est une sacrée différence, ça nous fait penser, si on y réfléchit bien, à le côté urgentissime de mettre en pratique les politiques écologiques aujourd'hui. Ils ne veulent plus attendre que la Terre meure pour agir. Et bien sur ce débat-là des discriminations, ils considèrent qu'il va falloir agir et c'est pour ça qu'on a vu des manifestations partout. On a vu des manifestations en Belgique, regardez les statues de Léopold II, en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Canada, même au Groenland, par rapport au Danemark, une statue d'un héros dit colonial a été déboulonnée. Ça veut dire que cette question, elle fait sens partout sur la Terre de ce lien qu'il y a, d'une injustice qu'il va falloir réparer et qu'il va falloir réparer dans sa globalité. Alors, je crois qu'on pourra peut-être traiter la, la, la question du, du déboulonnage des statuts, euh, parce que c'est évidemment que c'est lié, mais c'est un autre sujet, c'est un sujet parallèle et qui, 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 qui se croise. Mais pour euh, approfondir ce que tu dis à l'instant, cet élément générationnel, est-ce que c'est le cas d'ailleurs en France et aux États-Unis, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une, une manifestation des jeunes générations Et moi, ce qui me frappe, c'est quand tu dis c'est ce retour de l'histoire refoulée, parce que objectivement. On a vu l'ampleur des manifestations, elle est considérable. Si on faisait un test euh, historique euh, sur la connaissance euh, des, et du colonialisme euh, et de, de l'histoire euh, de, des pays, pas sûr que les résultats seraient extrêmement brillants. Donc, euh, euh, c'est pas la. Enfin, comment tu expliques cette, cette, ce phénomène Parce que nous pensons que le savoir passe que par des voies classiques. En même temps, Bernard, je, te, je suppose que tu n'écoutes pas beaucoup, beaucoup de rap. De rap tous les jours, en termes de musique et les paroles du rap. Et bien, depuis 25 ans, le rap raconte une histoire en Amérique, qu'en Europe, comme en Europe, qui est celle-là. C'est-à-dire que si tu écoutes Youssoufa, si tu écoutes Soprano en France, si tu écoutes des jeunes rappeurs, tu vas découvrir que ces histoires, ces tramaisons, ces débats, ce lien entre le colonial, l'histoire des tirailleurs salégalais, c'est présent dans un univers culturel qui, aujourd'hui, touche énormément les jeunes, puisque le rap est la première musique qu'ils écoutent. Tu te rends compte que sur les réseaux sociaux, des artistes, des plasticiens, des films, des vidéastes, travaillent sur ces questions aussi. C'est-à-dire que ces questions ne sont peut-être pas connues en termes, académique, au sens où on l'entendrait nous, mais elles sont perçues à travers ce lien, cette filiation qu'il peut y avoir, la couleur de peau, la corporalité, la manière dont l'esclavage a desservé l'eau, toutes ces questions-là elles sont présentes dans une culture qui aujourd'hui est devenue une culture monde et qui traite de ces enjeux-là. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a un problème d'académisme. Pourquoi Puisque comme ce sont des questions taboues, elles sont ou peu enseignées, ou mal enseignées, ou pas assez enseignées. Et en même temps, il y a une différence entre ce que tu as appris à l'école et ce que j'ai appris à l'école et ce que ces jeunes ont appris à l'école. Alors que toi et moi, quand on a passé notre bac, on ne savait pas grand-chose sur l'expo collier le 31. Je pense que tu aurais été, comme moi, pas forcément capable de faire cinq pages d'affilée sur le décret Crémieux de 1870. Et tu aurais été très embêté pour euh, raconter la bataille d'Alger. Sauf si dans ta culture personnelle tu y étais intéressé, parce qu'à l'école voilà, on ne l'a pas appris. C'est pas faux. Je, je suis obligé de reconnaître c'est pas faux. Et aujourd'hui c'est plus le cas, parce que c'est au programme. Et donc, entre eux, ce que l'école a donné, ce que un film comme Indigène a appris, ce que la culture visuelle, la culture du rap a enseigné, tous ces codes-là commencent à fabriquer une culture. Certes, je le dis bien, elle n'est pas académique, parce que l'histoire a pris d'autres biais que les biais habitudes de l'histoire. Mais donc ces jeunes, ils sont sensibilisés à ces questions. Et eux, ils vont percevoir l'injustice dans cette histoire, parce que pourquoi Ils vivent dans des générations métissées aujourd'hui. Ils vivent dans des générations où ils ont des amis. Oui, oui, ils ont des familles métissées, ils voyagent à travers le monde, ils sont avec d'autres amis étudiants qui viennent des quatre coins du monde. Donc ces questions, ils en sont sensibles parce que leur proximité, leur voisinage, leurs amis, leurs amours, leur parlent de ces sujets et des héritages. Et c'est une chose qui est très très différente par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire qu'eux, aujourd'hui, sont à la fois dans un temps, certes, mondialisé, mais aussi ils sont dans une temporalité ou ces questions mémorielles sous une forme ou une autre sont aujourd'hui des questions qui ont une forte prégnance et puis une forte prégnance aussi qui passe par la culture c'est-à-dire que tu le vois bien dans le cinéma on sait tous qu'a représenté le film indigène de Rachid Boucharet pour une génération, par exemple. Mais il a marqué des choses que nous n'avions pas dans notre jeunesse. Nous avions RAS peut-être sur l'Algérie, mais il n'y avait pas eu autant de films qu'il a pu en avoir aujourd'hui. Et puis il faut aussi comprendre cette culture qui arrive des États-Unis, qui parle à travers des films comme Django, 12 ans en esclavage, qui d'un seul coup font que ces sujets sensibilisent une génération, la génération actuelle. Voilà, alors Lionel, on a commencé cette euh, discussion euh, avec toi puisque euh, j'ai lu un, un petit passage, euh, notamment la, la conclusion du texte que tu avais écrit euh, après la mort de George Floyd. Et donc, euh, Pascal a réagi en rappelant euh, la dimension euh, culturelle, historique, générationnelle de, de la réaction. Euh, aux États-Unis et en Europe euh, autour euh, à la suite de, 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 de cet euh, événement qui est euh, le fait qu'un qu policier blanc pendant une minute 46, soit filmé en train d'étouffer un autre euh, être vivant. Euh, mais peut-être euh, qu'on pourrait tu pourrais nous dire toi comment tu as comment tu as vécu ça qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a affecté tu as eu envie de t'exprimer avec cette émotion là et avec ces mots là. Oui d'abord euh, bonsoir à tous. Euh... J'étais très frappé par l'universalité de la réaction et combien la, la jeunesse de tous les continents s'était emparée de, à l'occasion de ce meurtre, de toutes ces problématiques. J'étais très frappé aussi par la, la réaction de la jeunesse africaine, sa solidarité évidemment avec les Africains américains, mais au-delà par le fait que... Toutes les origines, toutes les générations, mais beaucoup les jeunes, mais toutes les origines euh, avaient euh, la, la même réaction. Euh, donc, tous les afro-descendants, mais aussi euh, tous les latinos, et aussi la jeunesse euh, euh, blanche américaine qui n'appartient pas aux minorités, etc. Donc, l'universalité, c'est la première chose qui m'a frappé. Je me suis dit quand même. Les gens descendent dans la rue pour l'universalité des valeurs. Sur la question un peu ethnique, un peu raciale, la définition des minorités, il y a des millions de jeunes qui sont descendus dans les rues pour dire mais la couleur que l'on a, c'est une opinion que les gens ont sur, les, sur vous, sur l'autre. Mais enfin, moi, je me suis dit, mais est-ce que ça ne me questionne pas subjectivement Parce qu'au fond, aux États-Unis, incontestablement, je suis colorde. Au Bénin, incontestablement, je suis blanc. De famille, mes pères, mon lignage, je, il est du Bénin. Mais il n'y a d'ambiguïté de, de, de pour personne. Je suis un blanc. Et aux États-Unis, il n'y a aucune ambiguïté. Je suis un noir. Alors, je ne vous parle pas des pays où il y a une différence considérable entre les gens de couleur, entre guillemets, mais par exemple, c'est vrai à Haïti, mais c'est vrai dans les Antilles françaises, et les mulâtres, par exemple. Les mulâtres qui ne sont pas des métisses, qui sont <laughs> effectivement des sans-mêlés, mais, mais, mais qui ne sont pas la même chose que des métisses. Et ces clivages qu'on ne peut pas ressentir subjectivement, qui vous sont imposés socialement, sont désormais rejetées comme des, 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 des opinions illégitimes par des millions de gens de, 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 de toutes les cultures, de toutes les couleurs, qui disent non, il y a une universalité des valeurs. Et donc les, les couleurs, il faut qu'elles deviennent invisibles parce qu'elles n'ont pas de sens, et puis on fait 150 km, 500 km, 5000 km, et on n'est plus de la même couleur. Et moi, je vous assure, j ai, j ai, pour citer une anecdote, quand j'étais Premier ministre du Bénin, j'étais invité au MEDEF. Bernard était dans la salle en tant que président de la Commission internationale. Il m'avait invité. Je fais euh, donner un point de vue africain sur la mondialisation. Enfin bon, voilà. J'aurais décollé aussitôt pour rentrer au Bénin. Je regarde euh, les réseaux sociaux. Je vois que dans la fachosphère, on s'était occupé un peu de la situation au MEDEF. Il est vrai qu'Emmanuel que Macron allait démissionner le lendemain. Enfin, il y avait beaucoup d'actualités. Tout ça était télévisé en direct. Et je vois qu'est-ce que ce nègre en dimanche vient nous donner des leçons au MEDEF. Bon, voilà, j'ai les honneurs de la fachosphère. J'atterris ici, cette heures après, à Cotonou. Je regarde un peu ce qui s'est passé pendant 24 heures d'absence. Je regarde les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ce gouverneur des colonies que nous envoie la France Qu'est-ce que ce blanc vient faire chez nous Ou en plus, euh, on lui prête même de vouloir avoir des ambitions présidentielles. Bon, on a déjà un blanc premier ministre. On va avoir un blanc président. me dis, Bon, c'est pas. Il faut que je m'arrête au Sahara en milieu. Et alors de temps en temps, temps, quand je m'arrête au Sahara au milieu, les gens me disent, me parlent en arabe. C'est du Maroc, par exemple, où j'ai à peu près le teint qu'il faudrait, quoi, où je suis à peu près de la couleur euh, de l'autre. Et puis on pense que je suis un résident marocain de l'extérieur qui fait, par snobisme, semblant de ne pas parler arabe. Alors vous n'êtes nulle part. Bon, alors, il y a des... Quand c'est comme ça, c'est-à-dire, au fond, moi je suis très distancié par rapport à ça, ça ne me déchire pas du tout, et donc je n'ai pas de problème à vivre ça. Mais si on assassine les gens à cause de ça on n'assassine pas les mêmes à 500 km, à 5000 km. Si on leur refuse toute égalité des chances, si on leur refuse l'accès au logement, l'accès aux soins, regardez comment les populations discriminées à raison de leurs origines, qu'on soit en Europe, évidemment au plus haut point aux États-Unis, regardez comment ces populations prennent l'impact du Covid. C'est terrible. C'est très 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 différencié. Ça, ça, ça commence dans la Seine-Saint-Denis, quand on regarde la situation française. C'est sans comparaison avec la différenciation, euh, l'inégalité devant la pandémie, à raison des origines aux États-Unis. Mais si on, si, si on se met à intérioriser ça, ça devient, ça devient terrible. Et donc je voulais écrire, n'importe qui dans, dans une situation euh, de métissage ressent intimement... Euh, le fait qu'il faut absolument affirmer l'invisibilité des couleurs et l'universalité. Et qu'on peut trouver, là je me tourne vers Pascal, mais heureusement, dans toute une tradition philosophique, dans toute, et, et, et évidemment dans l'histoire, des, des raisons. De, 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 de se rappeler que les valeurs sont universelles et que des valeurs universelles ont à tout moment été défendues. Euh, des droits à ce qu'on ne vous considère pas comme des meubles, comme dans le Code Noir, c'était affirmé dès le XVIIIe siècle. Il y a toujours eu des justes. Alors après, je pense à mes petits-enfants. Alors, c'est plus compliqué encore. Parce que voilà, qui portent des prénoms Yoruba et qui sont blonds, par un effet d'encore un peu plus de sang mêlé. Et alors, je me suis dit, bon, bah, leur question à eux, ça, 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 ça va être déchirant. Quoi. Où vont-ils faire leur, leur futur Ils portent un nom, quand ils ont gardé le, le, le nom de ma famille, plus un prénom qui les identifie. Mais alors, ils sont tout blancs et tout blonds. Pas tous, mais en une partie, ils sont tout blancs, tout blonds. Et donc, je me suis dit, c'est pour eux qu'il faut parler. Il faut affirmer que les valeurs, et il en existe d'universelles les couleurs, on doit absolument euh, admettre qu'elles ne sont qu'une opinion et contingente et illégitime, et on doit aller chercher dans l'histoire les raisons de trouver auprès des, des justes ceux qui l'expriment depuis longtemps, donc pour ça que je voulais l'exprimer. Le, Mais il me semble que la longueur des millions de, de gens dans les cortèges et leurs couleurs, dont ils disaient... Ce n'est pas la couleur qui me fait descendre à la rue, c'est la justice. Est pas parce que je suis blanc ou latino, c'est la justice. Bon. Euh, il me semblait qu'il fallait faire un quoi ça, dire pour des Métis, on, on, on le vit tous les jours. Mais c'est différent qu'on le vive tous les jours. Ce qui est, ce qui est important, c'est que maintenant, il y a des millions, des dizaines de millions de gens qui pensent euh, la même chose. C'est un début si on veut se débarrasser de ces inégalités fondamentales, de ces discriminations permanentes. Et rémanente. Alors, on, on va parler tout à l'heure de, de ce qu'on peut attendre de cette prise de conscience et de, et de cette manifestation, de cette émotion, de cette universalité, parce que l'expression le, euh, de l'émotion, c'est une chose, mais il faut encore qu'elle euh, débouche sur euh, un, de vrais changements et, et pas simplement sur. Euh, euh, le partage d'un moment d'émotion. Euh, ce que disait Pascal tout à l'heure, c'était que ce qu'il avait de frappant euh, à ses yeux, c'était le, le rapport à la mémoire. Ce n'était pas simplement l'idée d'une émotion instantanée sur un événement instantané, choquant, etc. Mais c'était l'éruption, euh, le, le choc en retour euh, d'une mémoire. Or, cette mémoire, elle n'est pas la même euh, non plus. Euh, au mali euh, au bénin euh, en france ou aux états unis c'est pas la même histoire c'est pas la même mémoire c'est pas les mêmes euh, éléments qui ont traversé qui émergent aujourd'hui. donc euh, euh, comment toi euh, peut être euh, lionel d'abord et puis pascal ensuite ce, ce, ces, ces, comment ces éléments disparates cette histoire disparate peuvent être le creuset d'une émotion commune et d'un projet commun? Non, mais on n'a pas besoin d'unifier euh, tous les récits nationaux. On a besoin de les connaître. Il y a, il y a, il y a une immensité de l'ignorance. Je veux dire que moi, euh, François Hollande m'a demandé de travailler euh, à la création d'une fondation, à la préfiguration d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage et des abolitions. Fondation d'utilité publique qui a vu le jour d'ailleurs. Emmanuel Macron a assumé le projet, ça, ça a vu le jour. Euh, il y a maintenant deux ans. Bon, et c'est là que j'ai découvert que ce qui avait succédé à l'esclavage dans les colonies françaises, c'était quand même une situation complexe, et notamment euh, des mécanismes de, 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 au fond de, de travail forcé, qui ressemblent quand même beaucoup à de l'esclavage sans la déportation, qui avait joué un rôle considérable et fait un nombre de victimes considérable dans les colonies françaises, mais aussi belges, mais aussi portugaises, et que j'apprenais, enfin j'apprenais à 60 ans, j'ai fait des études d'histoire jusqu'à la Cagne, jusqu'à jusqu ma maîtrise d'histoire, qui portait d'ailleurs, ce qui est effrayant, sur en partie la colonisation en Afrique occidentale, que le travail forcé avait été aboli. La République française en 1946, par la loi Oufouet de Boigny, c'est-à-dire huit euh, ans avant ma naissance, c'est-à-dire que j'étais contemporain de la mutation de l'esclavage sur notre territoire. Mais euh, qu'au fond, personne ne me l'avait jamais raconté, je n'avais jamais croisé dans mes études d'historien, et, et, et je me suis dit, quand même, la, la masse d'ignorance est considérable. Alors après, euh, ça parle autrement à un Béninois qui appartient à un royaume qui a été esclavagiste, euh, qui a dans sa lignée à la fois des gens qui ont été des officiers de cour de ce royaume, qui ont été, euh, qui ont été des, des, on a des captifs et des esclavagistes dans la famille. Bon, et que par ailleurs vous êtes issu par les hasards de l'histoire et également. Euh, d'un peuple français, savoyard, enfin, qu'il n'a pas forcément demandé à coloniser l'Afrique, mais qu'il l'a colonisé. Et on peut pas avoir le même récit. Et donc, euh, on a besoin des historiens. Euh, et on a besoin, au-delà des historiens, y compris... Ça, c'est une autre chose qui m'avait frappé dans le travail sur la fondation pour la, la mémoire. On a aussi besoin de, de, de spécialistes du cerveau, pour éclairer cette, cette question quand même très étrange du silence de génération en génération pour ne pas dire ce qu'a été notre histoire. Et ça, c'est un peu comme le silence euh, des, euh, des gens qui ont vécu la Shoah et qui ne l'ont pas forcément raconté à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et, et, et ça, ça pose des, des sujets sur comment des traumatismes très forts agissent aussi sur le cerveau. Donc on a besoin en fait de, des sciences sociales au-delà et en complément de l'histoire aussi. C'est très intéressant qu'il qu y ait des travaux maintenant sérieux sur euh, comment un traumatisme, comment des événements historiques créent des, 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 des traumatismes et, et s'installent comme ça dans une récurrence très longue et comment on en sort, comment on sort du, du, du déni pour soi-même. Donc il y a un travail de, de connaissance qui est premier. Mais après, on n'a pas besoin d'unifier les, les récits. C'est vrai que le président du Bénin, à un moment donné, le général Kirikou est allé parler devant le Congrès des États-Unis à l'occasion d'une visite d'État aux États-Unis, où il a fait acte de repentance pour les esclavagistes du royaume central d'Abomey. Euh, ça nous a étonné, mais lui était d'un royaume du Nord qui n'a pas été un royaume esclavagiste, mais qui était un royaume victime de l'esclavage, parce que le royaume central dont euh, l'esclavage le, le, euh, assurait les, les recettes fiscales et, 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 et la domination militaire et euh, le rayonnement culturel considérable. Le royaume d'Abomey faisait ses victimes à proximité, notamment dans les royaumes Somba du, du nord du pays. Et donc, même à l'intérieur d'un pays, il faut dire aussi toutes les différences. Tout le Bénin n'est pas héritier du fait qu'il y a eu des royaumes esclavagistes. Il y a eu aussi des victimes et en fait, nous nous sommes précisément d'une partie du Bénin qui est juste au nord de ce royaume d'Abomé. Ce sont les royaumes marie Ces royaumes parlent la même langue que le royaume esclavagiste, mais n'étaient pas de ce royaume. De même que Toussaint Louverture, prince d'Alada, au sud du royaume d'Abomé, parle la même langue que le royaume d'Abomé qui est esclavagiste, mais il a été lorsque... La, 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 la dynastie d'Alada a été vaincue et dispersée, vendue comme esclave. Et il est devenu ensuite le héros de l'indépendance d'Haïti, euh, en partie euh, grâce au rayonnement de sa condition dans le royaume d'Alada, le fait que c'était par nature un leader aujourd'hui, et qu'il était revêtu de tous les attributs, bien qu'il fût esclave, alors qu'il avait été, euh, euh, au fond, déporté à Saint-Domingue. Donc, même à l'intérieur d'un pays, de 100 km en 100 km, on a besoin de connaître toutes ces complexités de l'histoire. Alors, tu viens d'évoquer quelques grandes figures. Euh, il se trouve qu'un euh, des, euh, des points communs de beaucoup de ces manifestations euh, de par le monde. C'est traduite par le déboulonnage, enfin par des attaques contre des, des statues, mais des statues qui, qui représentaient des, justement des, des grandes figures, mais des grandes figures de, de, dans des domaines extrêmement euh, variés, avec des lectures de l'histoire différentes. évidemment selon les pays. Christophe Colomb n'est pas vécu de la même façon aux États-Unis, en Espagne ou ailleurs. Alors. Pascal, qu'est-ce que ça t'inspire D'abord, ce, cette idée du déboulonnage des statues, parce que c'est une forme d'expression qui, on a vu ça, euh, nous, notre, cette génération, on l'a vu au moment de... De de, de de la révolution euh, enfin après la chute du, du mur de Berlin on l'a vu euh, au printemps euh, dans le printemps arabe on a vu dans, dans un certain nombre de circonstances et en plus on, non seulement on l'a vu mais on a pu le voir parce qu'il y avait des images de télévision il y avait des films il y a des choses que dans le passé évidemment on ne pouvait pas nécessairement voir mais est-ce que c'est d'abord une forme euh, nouvelle euh, moderne d'expression de, de, de ce retour de, de la mémoire et, et qu'est-ce qu'on peut dire sur je dirais le, les, les choix qui ont été faits et les, les, les cibles qui ont été celles de de, 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 de la vindicte de, de, de ces manifestations je poserai même une question à, à, à Lionel D'abord, ce qui est rassurant, c'est de se dire que je pense que tous les siècles ont connu des statues déboulonnées, et que la Révolution française, je le rappelle, a commencé par déboulonner les statues des monarques et des symboles de la monarchie qui précédaient la Révolution française. Donc, je dirais que c'est un acte potentiellement républicain, ce qui déjà nous interroge sur notre histoire. En même temps, déboulonner une statue, je suis contre. Je suis contre parce qu'un historien peut pas vous dire enlever les traces. Supprimons le patrimoine, faisons disparaître ce qu'il y avait avant nous parce que c'est un outil pour expliquer le présent, pour expliquer l'avenir et pour expliquer donc le présent à l'aune du passé. Moi je préfère utiliser une statue de Colbert. Euh, ou qu'un nom de, de, de rue avec euh, Bujo ou fait d'herbe, et avoir une plaque à côté, une autre statue à ses côtés, un travail d'artiste dessus, peut-être quatre facettes autour de Colbert avec quatre regards qui vont être posés sur lui pour que le citoyen utilise l'espace public comme un lieu de débat, de discours, de critique, que de voir disparaître quelque chose. Parce que j'ai toujours très peur quand on fait disparaître les choses du patrimoine, que dans 20 ou 30 ans, certaines viennent nous dire, mais de quoi vous nous parlez L'esclavage et la colonisation, il n'y a plus rien dans nos rues. Oula oh Surtout, ça m'inquiète doublement quand je sais qu'il n'y a pas de musée pour mettre ces statues, puisqu'il n'y a pas de musée d'histoire coloniale en France. Donc, je dirais que si on avait un musée d'histoire coloniale, on pourrait peut-être en débouler une pour le mettre au musée. Donc, pour là aussi le commenter, comme vous avez à la citadelle du Spandau à Berlin, où toutes les grandes statues de la ville, on va dire 19e et 20e siècle, ont été démontées. Vous avez un récit sur ces statues, pourquoi elles ont été construites et pourquoi elles ont été déboulonnées. Donc, le déboulonnage devient un sujet d'histoire et de compréhension. Mais nous, c'est autre chose. Parce que la statue, ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est que c'est ni de l'histoire ni de la mémoire, c'est de la commémoration. C'est rendre hommage à, aux grands hommes, parce que rarement aux grandes femmes, vous le regarderez, c'est toujours aux grands hommes qui ont fait l'histoire. Notre pays, notre culture, notre richesse, notre économie, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ça fait débat. Ça fait débat pour ceux qui ne reconnaissent pas que ces grands hommes sont des grands hommes. Par rapport à leurs actes. Christophe Colomb, pour certains Amérindiens, par exemple, ou Noirs-Américains, il n'est pas du tout perçu avec le même héroïsme comme fondateur d'un continent que celui qui va, par exemple, être héritier d'Écossais, d'Irlandais, d'Anglais, d'Allemands qui sont partis vivre dans ce territoire-là, qui ont continué sous les traces de Christophe Colomb. Ils vont plutôt considérer Christophe Colomb comme quelqu'un qui est venu déposséder de son histoire et de sa culture et de ses peuples. Tout un continent. Et puis d'autres vont considérer que, les, par exemple, devant l'Assemblée nationale, le statut de Colbert, qui a été le père fondateur du code noir, c'est anachronique avec la République. Ou que la salle Colbert, qui, je vous le rappelle, est dénommée non pas à l'époque de Colbert, puisque l'Assemblée nationale n'existait pas, mais dénommée au début du XXe siècle. Donc c'est un choix de la République, la troisième, de rendre hommage à Colbert. Et certains disent, vous ne pouvez pas commémorer Colbert, parce que Colbert est d'abord... Parce qu'ils le perçoivent comme ça dans leur hiérarchisation du personnage historique, parce qu'il a fait aussi d'autres choses, et d'abord l'homme du comme noir. L'un des codes, l'un des textes les plus incroyablement racistes qui ait pu être produit, puisqu'il va légiférer, statifier, organiser la domination sur le bien meuble qu'est l'esclave. Et donc là, on a un dialogue qui est compliqué, puisque d'un seul coup, ces jeunes qui vont, pas tous, mais ceux qui l'ont fait déboulonner, que ce soit à Londres d'ailleurs, avec un, un commerçant, un négociant esclavagiste, ou à Bristol, que ce soit en Belgique, avec Léopold II, le roi, qui a certainement été un des monarques, si ce n'est le monarque le plus violent en colonie, au Congo belge, en France aussi avec un certain nombre de statuts, et aux États-Unis de nombreux statuts. Ça signifie quoi Pour ces gens-là, il faut effacer ces traces. Puisque vous n'êtes pas capable de remettre l'histoire à l'endroit, nous allons, nous... « Effacez les traces de ceux à qui vous rendez hommage. On a donc un rapport de force sur le commémoratif. À travers ça, ils disent ces gens-là ne méritent plus d'être dans nos espaces publics, il faut en mettre d'autres à leur place, puisque vos commentaires, que vous les faire dessus, vous ne les ferez jamais en fait. Vous ne changerez jamais l'histoire. Si un siècle et demi après, on a encore Colbert, ne nous le faites pas croire que dans les jours qui viennent, vous allez le changer. Et ce rapport de force, il est compliqué. Parce qu'après, il y a un choix à faire. Vous savez, c'est toujours le choix de la militance. Qu'est-ce qu'on considère de plus efficace pour Donc on peut être d'accord avec des idées, parce que je peux comprendre, vous avez eu un débat très intéressant, puisque les statues de Schulcher en Martinique ont été démontés 48 heures pardon, avant la mort de Floyd. Ça veut dire que ce processus est là depuis très longtemps, hein. des statues qui sont attaqués sur l'histoire coloniale ou l'esclavage, il y en avais avant, mais on ne les voyait pas. Les médias s'y intéressaient pas, en fait. Là, d'un seul coup, tout le monde a fait la connexion. Floyd, statut, mémoire coloniale, racisme. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que j'ai eu une conversation très intéressante avec des gens qui étaient extrêmement engagés sur ces statuts, qui avaient notamment démonté les statuts de Schulcher. Il y a deux manières d'écouter leur discours. Le premier, notamment des jeunes filles qui n'écoutaient pas du tout le discours des historiens, parce que nous étions blancs, les historiens, elles considèrent qu'on était totalement illégitimes pour raconter l'histoire. Ça, je dirais que c'est le côté qui, avec lequel un dialogue est quasi impossible. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'une rancœur, une violence qu'elles ont en elles, parce que c'était des jeunes filles, et elles ne supportent plus cette histoire qu'elles considèrent comme étant pas la leur. Le dialogue est très difficile. Et puis discuté avec quelqu'un d'autre qui a eu beaucoup plus de subtilité sur l'une des statues de Schulcher. Il dit Schulcher, il y a un vaste débat sur lui. Schulcher est quelqu'un, même s'il est considéré en France comme celui qui apporte la police de l'esclavage, qu'il apporte même, il est aussi considéré comme quelqu'un qui a quelque part indemnisé les maîtres et d'une certaine manière validé le système colonial dont parlait Lionel tout à l'heure. Donc un personnage compliqué. Mais il dit c'est pas ça qui me dérangeait le plus dans une des statues, c'est que la symbolique était un jeune noir à genoux. Devant Scholcher pour le remercier. Et tous les matins, quand je passais sur cette place de Fort-de-France, on me rappelait que le noir devait remercier le blanc pour sa liberté. Il me dit Non, c'est les 375 révoltes de noirs dans les Antilles qui ont amené à l'abolition. Nous n'avons à remercier personne. Et je lui ai répondu Mais pour que quelqu'un comprenne ce que vous me dites, il faut du savoir. Ce que disait Lionel tout à l'heure et ce que tu disais toi aussi, il faut enseigner, il faut transmettre. Parce que les gens ne peuvent décoder tout ça qu'à partir du moment où ils ont la connaissance et le savoir. Et justement, nous vivons un déficit. Ce que Lionel a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des générations à qui on a appris l'amnésie. Oublié. Parce qu'on s'est dit... Les gens vont oublier l'histoire de l'esclavage, les gens vont oublier la colonisation, les gens vont oublier les guerres de décolonisation. Et quand vous allez à l'hôpital Pompidou, par exemple, aujourd'hui, vous savez, qui est juste à côté de France Télévisions, et que vous demandez aux psychiatres et aux médecins, c'est qui les messieurs qui arrivent en ce moment extrêmement traumatisés, là, en urgence Mais Ils vous disent, c'est d'anciens combattants qui fait la guerre d'Algérie, qui, après 60 ans de silence, en gros, ne tiennent plus. Ils sont à l'aube de leur vie, et à peu près tous ont eu le même déclencheur. Leurs petits-enfants qui sont venus les voir un dimanche et qui leur a posé comme question au grand-père hé, hey, grand-père T'as torturé en Algérie Et là, il ne peut pas répondre. Donc, vous voyez, nous sommes à un moment où il va falloir à la fois répondre au commémoratif, répondre au mémoriel. Et comme l'a très bien dit Lionel, nous n'avons pas les mêmes récits et pas les mêmes mémoires, mais nous avons la même histoire. Ça peut paraître un petit détail des mots, mais ce n'est pas un détail des mots. Nous n'aurons jamais, Lionel et moi, la même mémoire. La mémoire de nos vécus, la mémoire de nos récits, la mémoire de nos royaumes respectifs. Moi, Je suis issu des royaumes bretons. Nous n'avons pas la même histoire. Mais aussi, on a. À côté, une histoire commune. Et cette histoire commune, c'est justement ça qui fait les rapports de force dans nos sociétés. C'est l'histoire coloniale, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire du, du, de la traite négrière. Et puis, c'est l'histoire des décolonisations et celle de l'après-colonial. Comment tout ça a été géré La France-Afrique, nos rapports. Tout ça n'est pas neutre. Tout ça nous fabrique un commun, en fait, sur lequel on a beaucoup de mal à dialoguer, parce qu'en fin de compte, il y a une sorte de chape de plomb qui n'a pas transmis cette histoire. Vous savez, on vit dans un pays, elle l'a dit, la Fondation a été créée pour l'esclavage, et c'est très important, et l'histoire des traites, parce qu'elle permet, depuis la loi Toubira, de transmettre, de travailler, de soutenir un travail foncier, on voit qu'il est utile, mais il n'y a pas de musée d'histoire coloniale. Donc si vous ou moi, on veut emmener nos enfants, nos amis, pour raconter l'histoire coloniale, dans le pays des musées, la France, hein, il n'y a aucun musée pour raconter cette histoire. Donc, il y a un déficit. Alors soyons pas surpris que certains se fabriquent leur propre récit mythologique et ont envie de démonter les statuts parce que la République, en fait, ne leur a pas construit un récit commun. Et bien, ils sont fabriquants. Lionel, toi, vu de, de, de taf d'être, si l'on peut dire. Alors, moi, je suis reconnaissant de ce que m'apprennent les déboulonnages de statues, Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent être reconnaissantes. Parce qu'au fond, Colbert, là encore, je crois que j'ai dû attendre 55 ans avant de m'apercevoir qu'il était l'auteur du Code noir, Jusque-là, j'étais comme toi probablement assez colbertiste. Je trouvais qu'il fallait créer des grandes manufactures. assez comme toi au ministère des Finances, sinon ce serait inacceptable. Mais... Non mais attends, il faut être colbertiste parce qu'il faut créer des manufactures euh, royales, il faut, il faut que, que Saint-Gobain existe toujours aussi florissante au XXIe siècle. Euh, il y a au fond toute une théorie du commerce extérieur, il y a toute une structuration de l'État. Moi, je me sentais très colbertiste en fait. Bon, et puis au fond, dans mes lectures, je tombe sur le Code Noir. Et effectivement, je, 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 au fond, j'étais beaucoup plus familier du débat est-ce que les Indiens, et puis ensuite, au fond, est-ce que les nègres ont une âme Bon, et les hésitations de l'Église sur ce sujet, bon, ça, ça fait l'objet de beaucoup de littérature, d'histoire, de théâtre, et donc. Ce genre de, 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 de problématique, j'étais familier. Mais euh, l'idée que mes ancêtres n'aient pas eu d'âme, ça me gênait. L'idée qu'ils fussent des meubles, c'est un, un peu plus, c est, c est encore vous questionne encore plus, Alors que nous avons échappé tard à la condition de meubles. Et comment des êtres humains sont des meubles ben C'est très simple. Si vous voulez pouvoir les vendre, vous devez être dans une logique. De biens meubles. Vous pouvez devoir euh, en avoir une propriété et aliéner cette propriété, emprunter sur ses actifs. Et donc il faut les. Et c'est une logique implacable de, de juridisme euh, à la Colbert. Puisqu'on les vend, c'est une situation de fait, c'est bien qu'ils ont un caractère de propriété. Si c'est ces propriétés qu'on peut aliéner, qu'on peut d'ailleurs mutiler aussi, et on a sur elle des droits d'usage et d'abus. Usus euh, et tabouzous, une des définitions de la propriété. Je parle de conseiller d'État. Et alors, dans un juridisme impeccable, donc, donc, donc ce sont des meubles. Alors, comme ce sont des meubles, c'est là que j'ai remercié le, les, les gens qui ont déboulonné Schulcher, bien que j'ai été très content d'aller avec le président de la République honorer voilà, dans la crypte du Panthéon, et que je pense qu'on peut faire tout à fait les deux, parce qu'ils m'ont appris que la logique, effectivement, d'indemniser les maîtres, c'est l'application des droits de l'homme, c'est évidemment, euh, ça doit être l'article 13 de, de, de la Déclaration des droits de l'homme, c'est on ne peut pas, on peut pas exproprier quiconque sans une juste et préalable indemnité, puisqu'ils sont des propriétaires de biens. Qu'on exproprie ses biens dans la mesure où on, 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 on abolit la, la traite et l'esclavage, alors effectivement, il est tout à fait logique de les indemniser de la perte de leur propriété. Et alors, dans mes lectures, je reconnais sans historien, j'ai compris que Colbert était un peu plus complexe. Et puis ensuite, j'ai compris que. Euh, Schulzschur était dans la même tradition pour pour un aspect de, ce, de de son action et que tout ça avait une terrible cohérence. Alors après, il y a les gens qui badigeonnent Victor Hugo. Alors ça m'ennuie énormément parce que franchement, Victor Hugo, euh, par exemple, euh, il y a un texte qui est qui lecture obligatoire dans l'école primaire en Chine, qui est un texte de Victor Hugo flétrissant le sac du Palais d'Été. Bon. Et donc, pour moi, c'est un, un, un héros de la, de la euh, restitution nécessaire euh, de tout ce qu'on a pillé. Et puis, en lisant ça, je regarde euh, qu'en fond, c'est le fils de Lord Elgin qui a pillé le palais d'été à Pékin. Et Lord Elgin, c'est celui qui avait acheté, enfin, pillé quand même, euh, les frises du Parthénon. C'est-à-dire, Quelle tradition familiale, c'est formidable. Donc, moi, je suis à fond du parti de Victor Hugo contre la famille Elgin, franchement. Bon, et puis on m'explique que tout compte fait, il a quand même fait une sorte d'apologie de, de la colonisation euh, au nom de la civilisation qu'on pouvait euh, apporter. Puis après, faut-il débulliner Jules Ferry Bien sûr que non, il ne faut pas débulliner Jules Ferry. Mais c'est très bien qu'il y ait des gens qui aient la gentillesse de nous rendre le service de mettre en cause Jules Ferry parce que. Alors là, ça, ça m'était passé un peu plus tôt, peut-être à 18 ans, mais euh, Jules Ferry, moi je suis très très redevable, Jules Ferry, euh, de l'école euh, républicaine. Et, 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 et après, on commence à comprendre que les êtres sont un peu complexes que Winston Churchill aussi est un peu complexe, etc. Il ne faut pas faire non plus d'anachronisme euh, permanent. Alors je suis, je suis assez séduit par l'idée de, 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 de Pascal euh, d'avoir, quand on décide de déboulonner vraiment, euh, d'avoir un, un lieu de stockage qui pourrait être muséal pour, pour les statues. Il y a aussi les noms de places et de rues hein, qui peut-être la, la même chose. Peut-être la théorie du bilan euh, qu'on apprend à Bercy pour euh, essayer de porter un jugement global sur des gens qui ont fait des choses de nature. C'est à dire on disait qu'il fallait, il fallait, il fallait promouvoir la, la connaissance, il faut aussi accepter la, la complexité. Et euh, chez, chez les gens très passionnés, il y en a qui ont, qui ont peint en, en rouge la, la statue du maréchal joint, euh, enfin bon, <laughs> etc. il si et, et y a donc des gens qui expriment des passions, qui déboulonnent, qui décapitent, qui. qui... Bon, on n'a pas décapité que, euh, d'ailleurs, euh, les personnages historiques, on a décapité les saints au tympan des cathédrales pendant la révolution. La, la... Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'il euh, faut apprendre euh, il faut prendre des connaissances il faut apprendre de la complexité aussi. Bon. Et il faut aussi, juste tout dernier point, euh, ne pas non plus perpétuer uniquement que la mémoire de la souffrance et de la victimisation. Ça, quand on préparait la, la fondation euh, pour la mémoire de l'esclavage, c'était une conversation très intéressante avec euh, Christiane Taubira. C'est-à-dire, on n'a pas non plus à ne perpétuer que la souffrance, on a à perpétuer le fait qu'il y a eu une résilience extraordinaire des populations victimes et qui a donné lieu à une culture qui a créé une langue, qui a créé énormément de... Enfin, au fond, on n'aurait ni blues, ni gospel, ni jazz, d'une certaine manière, s'il n'y avait pas eu une résilience formidable, des gens qui se sont inventés un destin à partir de ça. Donc, il y a une complexité dans laquelle on est des héritiers d'une souffrance et les héritiers d'une culture de la résilience aussi. Cette culture de la résilience, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as fait allusion à la Shoah et à la façon dont les, 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 la difficulté qu'il y avait à témoigner. Je crois qu'il y a aussi, ce, on retrouve ce, ce phénomène de, de refus de la victimisation et la volonté d'exister de, euh, et, et d'affirmation de cette résilience. Et je crois que beaucoup de choses que, que, que l'on a dites jusqu'à présent autour de, de la notion de, enfin, du, du, du racisme. Euh, de, contre la couleur, vaut pour l'antisémitisme, euh, et dont d'ailleurs les textes juridiques euh, euh, de, qui les protègent, enfin qui, qui interdisent l'expression le, 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 agressive, euh, sont les mêmes. Et quand tu parlais du Code Noir, on pourrait parler du statut des Juifs. Euh, et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des salles de, 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 de données au nom de ceux qui l'ont euh, écrit. Mais... Mais on sait aujourd'hui que ceux qui étaient au commissariat des affaires juives ont été jugés au lendemain de la guerre, ont été désignés, ils sont connus, et dans la perception collective, ils symbolisent l'antithèse de la République. Ouais. Tout ça, c'est à trouver sa place dans nos mémoires, pas forcément sur la question coloniale. Jules Ferry, dont Lionel vient de parler, est passionnant. Si je te demandais est-ce que tu connais Julien maigne, tu ne connais pas Julien maigne, qu'il n'y a qu'une seule rue en France qui porte son nom, c'est à Brioude, au milieu de cette très belle région d'Auvergne. Qui est Julien maigne. Certainement un aussi grand député que Jules Ferry. Il était euh, communard grand député de la Troisième République, et il se lève en 1885 quand Jules Ferry fait son discours sur les races supérieures, sur les races inférieures. Et Julien Mayn se lève et dit, vous osez dire cela, Monsieur Ferry, dans le pays des droits de l'homme Ce que je veux dire, c'est que c'est tout le paradoxe, toute la complexité, mais elle est encore plus complexe, c'est qu'à l'époque, il y en a qui ont dit à Ferry, non mais ce n'est pas la République les races supérieures. Ça ne peut pas être la République. Je rappelle que nous avions des clémenceaux qui contestaient le discours sur les races. Euh, ça ne veut pas dire qu'un clémenceau est un être parfait quand on regarde toute sa vie. Il a ses complexités lui aussi. Mais ça veut dire que nous avons cette capacité. En somme, on en parlait l'autre jour. Rappelle-toi Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu deux manières d'être de gauche. La manière peut-être d'un Guimolet et la manière d'un Mendes-France ou la manière d'un Rocard. Et quand Rocard fait son rapport en 59 sur les camps en Algérie, il donne... Aussi une manière de la République de dire ⁇ je ne peux pas être un haut fonctionnaire français et accepter ce que je vois ⁇ Et c'est vachement important aussi ça de le raconter aux gens. D'expliquer que dans ce maestrum des fois compliqué de l'histoire, faire de l'histoire, c'est rendre simple ce qui est compliqué. Et c'est tenter d'expliquer des fois des paradoxes, la complexité d'un individu. D'expliquer le pourquoi les actes du monde. Comment le code de l'indigène a pu être autorisé Pourquoi on a pu inventer le travail forcé dans le cadre de la République Ce qui est complètement hallucinant. Si on y réfléchit bien, essaye devant une classe d'élèves de terminal de leur expliquer. Alors voilà, la République, pays des droits de l'homme, a mis en place le travail forcé. Déjà, tu interdit les syndicats, fantastique, et le droit de vote n'était pas possible. Et il y a un élève qui lève le doigt, il dit Monsieur, c'était toujours le pays des droits de l'homme T'es mort. C'est-à-dire que c'est ça qu'il va falloir pourtant expliquer. Est-ce que vous avez le sentiment que derrière, enfin, je, il y a eu tout un, un débat qui a été lancé par Elisabeth Ballater autour du thème qu'il oh, y avait une, une, racis, une racismation, je ne sais pas comment dire, enfin une vision unilatérale à travers l'antiracisme la, qui, qui introduisait, qui avait que, que de, de la race sur absolument tous les sujets et qui donc poussait une espèce de radicalité extrême qui, qui, qui détournait complètement le débat est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est -ce que un, un danger que tu que tu que vous ressentez euh... je, 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 vais, je, vais. je pense que c'est d'abord que la race est omniprésente, elle l'a toujours été. Ce n'est pas le, parce que le discours devient plus audible que la race n'était pas présente. Dans ce qu'elle veut dire, c'est que le discours est réduit. Enfin, c'est un, une forme de, 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 qui correspond à ce que, à l'appel à, la, à la complexité des choses, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas. Tout se, de, ne se lit pas qu'à travers exclusivement ce, euh, ce, ce, ce baromètre. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, et c'est une réalité, certains, euh, par exemple, dénient à des blancs de porter le mouvement antiraciste. Il considère que ceux qui sont les héritiers des colonisateurs, et des colonialistes donc dans leur tête, ne peuvent pas être ceux qui vont déconstruire le colonial, l'état d'esprit. Et c'est de cela dont elle est en train de parler particulièrement dans son sujet, qu'il voit de la race partout, qui revendique un débat à travers la, la grille de lecture de la race et qui donc vont jusqu'au bout de ce qu'on appelle notamment des décoloniaux radicaux et qui ont un point de vue en disant et en plus des blancs. Moi, je l'entends à mon égard. Je ne pourrais à leurs yeux. Je ne peux pas être un bon historien puisque je suis blanc. Mais dès le départ, hein, même si je travaille très très bien, que je fais des très bons films, de toute façon, est en blanc. Je suis perverti naturellement. Je ne dirais pas parce que génétiquement, je suis perdu. Et je pense que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants sont aussi perdus. Disqualifiés. Voilà. Là, elle est en train de parler de quelque chose qui existe, mais qui, je pense, est assez minoritaire. Par contre, il est très bruyant. Il ne faut pas confondre ce qui est entendu en ce moment par rapport à quelque chose qui est quelque part très minoritaire, mais qui a choisi, via les réseaux sociaux, d'être médiatique parce qu'ils ont parfaitement compris que c'était un lieu vu, y compris d'ailleurs avec la cancel culture, pour punir des gens qui ne seraient pas dans la bonne morale. Parce qu'en réalité... On est en train de payer dans un pays comme la France un retard monumental sur la recherche et les chercheurs. Je vais faire simple. Pendant 30 ans, on a préféré voir nos meilleurs chercheurs sur la question, comme il n'y avait pas de poste en France, partir aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Inde, à est en Afrique du Sud, à Johannesburg et à la Namibie et à Los Angeles. Conclusion il n'y a plus assez d'intellectuels pour ferrailler avec ces gens-là pour leur dire "Hey, coco." Ta vision du monde intimement racialisée, j'en veux pas. Je ne suis pas responsable de ce qu'a fait Lyotet, même s'il était blanc, et je pense qu'on est tout à fait capable ensemble, dans le mouvement antiraciste, comme dans la recherche, comme dans la vie culturelle et artistique, de travailler ensemble pour déconstruire ensemble les modèles qui se sont construits hier. Sauf qu'eux, ils ne veulent pas le construire ensemble. D'une certaine manière, exactement comme les nostalgiques. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec deux radicalités qui hurlent beaucoup l'une qu'on va appeler une zémorisation du monde de certaine manière, et l'autre, une radicalisation où seuls ceux qui seraient les victimes et ce qu'a dit Lionel tout à l'heure, le, le pouvoir de la victime, la force de la victime, la légitimité de la victime, s'ils seraient les seuls à pouvoir sentir, donc comprendre, donc combattre. Eh bien, il va falloir apprendre, avec comme sur un bateau, entre la lumière rouge et la lumière verte, apprendre à naviguer au milieu pour expliquer que la bonne voie, c'est ensemble pour en sortir. Et je pense que la majorité des gens sont là, mais aujourd'hui, être au milieu du gay, ce n'est pas un point de vue. En soi. Les gens sont en quête d'un cheminement pour sortir euh, de ce que nous ont légué les aînés, en fait. Hein. On nous a légué les éclaboussures impériales. Et on doit récupérer tout ça et trouver des solutions. Comme Christiane Toubira, qui trouve cette solution en amenant cette loi avec beaucoup de compromis, comme tu le sais, qui doit faire beaucoup de négociations, comme tu le sais, mais qui fait que sa loi a changé la manière de raconter, de parler, de travailler, et donc de se cultiver, d'avoir des références sur l'histoire de l'esclavage. Et c'est comme ça que moi, je pense qu'on peut avancer. Mais ça veut dire qu'il faut aussi savoir ferrailler avec les deux lumières. La rouge et la verte en permanence en leur disant vous nous entraînez vers une racialisation du monde et vous, vous nous entraînez vers une nostalgie du monde. Parce qu'à côté, il y a aussi tous ces petits blancs qui ont peur de ne plus être des petits blancs. Et on l'a tous analysé, c'est marrant, on est très très tous lucides pour analyser la, la mairie de Trump. Alors là, on est très bon. Hein. On a compris pourquoi les petits blancs votaient Trump. On nous a dit, mais dès que c'est la France, Ah non, non, en France, ça ne peut pas arriver. Rassurez-vous, il y a des petits blancs en France qui votent comme des petits blancs. Parce qu'ils ont le sentiment de perdre quelque chose avec l'immigration et que c'est la continuité de ce qui s'est passé avant. Et qu'on a un parti politique qui sait très, très, très bien remuer les travers du passé dans le présent. Donc, il ne faut pas croire d'un seul coup que tout ça est nôtre. Et puis, en même temps, il ne faut pas être surpris que d'un seul coup, l'autre qui se met à parler, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure en démontant des statuts, que l'autre maintenant s'exprime, prenne un point de vue parce que pendant très longtemps, il n'a pas eu le droit de le prendre. Donc, c'est vrai que c'est un peu la pagaille. Que ça part un peu dans tous les sens. Mais croire que ça ne serait jamais arrivé, c'est ne pas comprendre les effets de l'histoire. Ce que ça produit, c'est tectonique. La France a colonisé pendant 4 siècles. Ça a commencé en 1534 quand un, un certain quartier s'est perdu au Canada et a planté les drapeaux de la couronne de France. C'est un breton qui dit ça. C'est un euh, breton qui dit ça. Cette euh, ce, ce, cet danger de racialisation, etc., comment tu le sens euh, il y, a, il y a un bon livre de Laurent Dubreuil, qui est un, un chercheur français qui enseigne aux États-Unis, à l'Université Cornell, sur la dictature des identités. dire moi, je ne suis pas tellement pour la dictature. Alors euh, quand c'est celle des identités que je vais vous imposer, euh, que ça, c'est mon identité, donc c'est une appropriation abusive que vous osiez faire de l'histoire... Euh, coloniale, alors que vous avez des ancêtres euh, qui appartenaient euh, à un peuple colonisateur, et on ne peut plus faire l'histoire que si on a une filiation qui vous rend légitime, comme ça, des, des, des espèces de dynastie de la connaissance. C'est de la dictature. Donc moi, je vraiment aucune sympathie pour la, pour la dictature. Donc la dictature des identités, c'est quand même un, un vrai risque. En revanche, le, le, le même auteur, il avait fait quelque chose un peu dix ans avant sur un livre qui s'appelle L'Empire du Langage. Comment, au fond, par la langue, on transforme complètement le destin des gens qu'on colonise. Et on n'a besoin que de soixantaine, soixante-dix ans entre le décret de colonisation et la loi d'autonomie interne dans l'Empire français, donc c'est assez court. Et pourtant, pendant des siècles, en réalité, on va, euh, on va avoir euh, des populations qui seront, euh, il dit, comme envoûtées par le fait qu'ils seront devenus francophones, lusophones, anglophones, etc., et qu'ils se seront détachés de, 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 des, des langues traditionnelles. Et donc. C'est vrai qu'il faut faire également attention à l'envoûtement que représente le fait d'être acculturé de façon profondément différente. Ça peut être la religion qui a commencé bien avant la transmission de, de la langue. Alors, il préfère le thème d'envoûtement au thème d'aliénation par la, la culture qu'on vous transmet. Et donc, il se demande, est-ce que la francophonie n'est pas une façon... Euh, par le langage, par l'empire du langage, de maintenir l'essentiel de, de, de l'empire français, ou l'empire portugais, ou des choses comme ça. C'est important aussi, quand même, d'avoir en tête que la dictature des identités, c est, c est, c est, c est, ça réduit la connaissance à une caricature, c est, c est, c est, ça crée des, des éléments de violence absurde, et en réalité, ça finit par offusquer, par occulter la connaissance. Mais en même temps, avoir conscience du fait qu'il y a des effets de l'envoûtement quand même, il y a des effets de l'aliénation euh, culturelle. Et là encore, ça doit être l'un, ça doit être la lumière rouge, l'autre c'est la lumière verte. Mais il faut quand même avoir cette idée que, euh, Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, un grand débat économique en Afrique, c'est est-ce que la Chine est en train de recoloniser l'Afrique, parce qu'elle est réputée y faire des investissements gigantesques, etc. Alors ça gêne les gens qui ont dit, mais vous savez que le stock de capital chinois en Afrique est encore très inférieur au stock de capital portugais. Parce qu'en en fait, quand vous faites masse de tous les investissements productifs des entreprises coloniales portugaises, des banques portugaises, etc., et, y compris et, et, contemporaines dans les pays lusophones, en Angola, au Mozambique, au Guinepissa, bissau il y a quand même euh, des intérêts importants dans certains de ces pays, des ressources considérables, etc., le stock en place, ce n'est pas, pas de commune mesure avec les investissements productifs chinois. Donc ils sont assez loin, nos amis chinois, de nous coloniser parce qu'il leur manque un instrument, c'est qu'ils ne nous ont pas envoûtés. Alors ils ont multiplié les instituts confucius. Très bien, parce que du coup, il y a de plus en plus de gens qui parlent chinois, ce qui est très, très utile et un grand acquis culturel. Enfin, ils ne nous ont pas ni aliénés ni envoûtés encore. Or, ça, c'est des éléments non négligeables, en fait, de la perpétuité certain, de certains intérêts. Et je trouve que c'est important d'avoir ça aussi en tête. Donc tu vois, je pense que c'est euh, insupportable de racialiser. Euh, la dictature, même pour les identités, euh, c'est un vrai recul euh, de la culture, du droit, etc. Il faut faire très attention à ce discours. Mais il ne faut pas passer de l'autre côté du cheval et se dire, bon, en, en réalité... Tout ça, au fond, n'a pas laissé beaucoup de traces. Si, on est envoûté. Alors, on a bien, je crois, décrit. On pourrait en parler évidemment pendant des heures et euh, la nature de ce phénomène. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, et peut-être en élargissant dans la communauté internationale d'aujourd'hui, puisque ces événements ont produit une émotion planétaire, qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous pensez qui peut surgir Il y a une prise de conscience, ok est-ce qu'elle est durable euh, ou est-ce qu'elle peut retomber parce qu'on passera à autre chose et euh, que la mémoire euh, est, est courte Ou est-ce qu'elle peut euh, entraîner des changements plus profonds, plus structurels, juridiques, politiques euh, on, on est dans un monde global. Il a réagi de façon euh, assez globale à, à tous ces événements. Comment peut-on euh, le guider Alors, vous pouvez aussi bien... Euh, Faire part de vos réflexions sur notre pays, euh, liées à notre histoire et à tout ce qui vient d'être dit pendant ce débat, et puis aussi élargir, euh, Lionel, tu, 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 tu es sur ton terrain de l'international, euh, élargir à ce que ça peut euh, changer euh, potentiellement dans les rapports, euh, en, euh, dans le commerce mondial, dans les échanges, dans la dans la nature des relations, euh, euh, des, des rapports de force euh, entre euh, les, les blocs, euh, et puisque tu parles de la Chine, effectivement, euh, on, on vit dans une autre époque par rapport à, euh, à la, aux générations précédentes, euh, dans laquelle l'équilibre la, 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 des, 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 des valeurs et l'équilibre des, 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 des rapports de force est, est profondément différent. Alors, je ne sais pas qui, qui veut le premier parler là-dessus. <coughs> Alors, j'ai besoin d'un programme en 3-4 points pour. Euh, mais ça, 3 points, euh, pour rétablir. Trois points, c'est ce qu'on appris à BNC, mais... les... Au Conseil des Temps, on dit deux, mais bon. La, la, la paix entre les, entre les hommes. Sérieusement. Moi, je suis frappé si avec, que, par si le fait, un rêve. Hein. Je suis frappé par le fait que ces débats peuvent avoir l'air un peu théoriques. À part que il y a probablement plus d'esclaves aujourd'hui ou plus de gens soumis à du travail forcé. Enfin, il y a des éléments de déportation aussi, donc ça, ça ressemble quand même beaucoup à l'esclavage. Euh, et en tout cas, quand on regarde les statistiques sur le travail forcé à, du, du Bureau international du travail, les, les unités de compte, c'est les dizaines de millions. Et il y a probablement plus d'esclaves aujourd'hui euh, qu'il y en avait en, en 1848. Ce qui est quand même troublant. Et ne, ne, ne pas faire acte de, de mémoire. Euh, c'est aussi s'interdire de regarder euh, en détail la condition dans beaucoup de pays, et en Afrique, tout à fait en Afrique, euh, ou au Moyen-Orient, ou en Asie du Sud-Est, et le fait qu'il y ait des progrès de la règle de droit, notamment que les entreprises soient obligées d'être un tout petit peu plus vigilantes. C'est aussi pour ça que je suis tout à fait partisan que, comme le font... Certaines entreprises américaines ou britanniques et pratiquement aucune entreprise française, elles réfléchissent aussi, quand elles ont une histoire très longue, sur leur contribution à cette forme de la mondialisation par l'esclavage il y a deux siècles. Une espèce de complément à la raison d'être, mais qui serait tourné vers <laughs> mais... <à> l'arrière <laughs> Je... dans la mémoire. C'est troublant qu'il y ait des pays où on trouve normal. De, 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 de dire, non pas de nier ou d'oublier, de, de, ou de dire ce qui est, euh, au fond, la contribution qu'on a eue à chaque forme de la mondialisation euh, dans, ce, dans cette mondialisation de l'époque. Parce que ça, ça permet aussi de réfléchir sur ce qu'on est obligé de dire dans les rapports de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est-à-dire, est-ce qu'on achète... Des productions, que ce soit agricole, qu'elles soient minières, qui sont euh, les diamants du sud, diamants de, les, les, les blood diamonds, les, les diamants de sang, qui sont euh, le coltan et les terres rares absolument nécessaires dans nos téléphones portables, tous nos systèmes euh, digitaux, etc. Mais qui sont extraits dans des conditions insupportables en RDC. Mais euh, les gens dont on, on déporte d'une certaine manière, dont on confisque le passeport et qui sont des populations où, euh, Soudanaises ou philippines ou bengali ou pakistanaises, etc., dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, ou les pêcheurs de Thaïlande, etc., parce que Bon, c'est un petit effet économique assez important sur l'effet le, euh, retour sur les niveaux des salaires dans les pays alors, qui comment, des règles de droit. Donc, tu vois, comment je... tout ça peut-il se, se mettre en place C'est par le, la pression des, des consommateurs et, 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 citoyens ou c'est par le je droit Je pense que c'est vrai des vrais sujets politiques et que si on n'a aucune compréhension mémorielle historique précise, alors on ne peut pas agir non plus sur les phénomènes contemporains. Or, les phénomènes contemporains ont une ampleur dans le même ordre. Par exemple, celui de forcer le travail et d'affirmer le droit à des inégalités extraordinaires, de bafouer l'ensemble des règles du droit du travail, etc. C'est contemporain dans des masses qui sont plus importantes encore qu'au moment où ça nous paraissait être un, quelque chose de dominant. Donc, il y a un aspect hyper contemporain. Donc, c'est un sujet politique, c'est un des, sujet avec associatif. Des, avec, des, avec des glissements géographiques, parce que ce n'est pas... C'est vraiment quelque chose qui a euh, une importance... Euh, Tels aujourd'hui et des effets économiques tels que c'est un vrai sujet qui, qui devrait être politique, qui est beaucoup plus conçu en Grande-Bretagne ou aux États-Unis comme un sujet politique immédiat avec des conséquences économiques immédiates, mais incompréhensible si on ne, on ne fait pas acte, acte d'histoire. Ça c'est ma première, ma première remarque. Ma deuxième remarque c'est que il y a des discriminations contemporaines qui sont moins excessives que le travail forcé et l'esclavage. Mais il y a de très nombreuses discriminations et donc il y a quand même tout un travail à faire, que fait d'ailleurs en France le défenseur des droits assez bien, que la HALDE a fait, sur lequel Terranova récemment a fait une note sur le thème Il faut un office central contre les discriminations, qui aura toute une série d'attributions pour faire reculer des discriminations. Et il y a quand même une dynamique de la discrimination et de la lutte contre la discrimination. Une chose très intéressante dans le, qui remonte aussi dans le récit national et qui va créer d'autres déboulonnages de statut, c'est quelle a été la condition faite. Aux, aux républicains espagnols dans les camps de concentration euh, du sud de la France. Ça, c'est quelque chose qui est complètement aboli dans la mémoire et qui est en train de revenir, c est, c est, sur lequel les historiens travaillent, sur lequel les artistes travaillent. C'est un phénomène assez comparable à la résistance. Euh, c'est très, très important. En de Espagne, il y, y a une, une espèce d'omerta là-dessus. Du coup, de se rappeler qu'il y a eu des discriminations contre les Espagnols, contre les Italiens, contre les Polonais, qui aujourd'hui nous paraissent... Complètement anachronique. Vous diriez que des, des, vous parleriez de Manuel Valls en disant, franchement, euh, il aurait été plus jeune de 30 ans, il aurait que passé son enfance dans les camps, et il avait du coup quand même moins de chances de devenir Premier ministre de la République française, euh, également d'ailleurs euh, candidat à la mairie de Barcelone. Bon, ça paraîtrait complètement absurde. Et je crois qu'il y a des discriminations qu'on arrive à dépasser. Et, et, et par conséquent, il y a un espoir véritable que beaucoup des discriminations et des inégalités d'aujourd'hui, mais c'est un sujet politique, c'est un sujet qui peut être traité par la société civile, par les associations, par tous les chercheurs qui rappellent des faits, qui montrent que euh, on peut aujourd'hui s'appeler M. Martinez et être un, un responsable raciste du Front National. C'est un énorme succès par rapport à, à la façon dont, 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 comme espagnol, il a été uniquement, non pas du côté des idéologues de la discrimination, mais des victimes de la discrimination. Ses, ses parents ont certainement passé un peu de temps dans les camps. Donc c'est-à-dire qu'il y a une, une dynamique, une déformation, mais qui suppose une action vraiment, vraiment politique. Donc, mais ça montre quand même, si, tu, si vous voulez, moi on me traitait de négro dans la, dans les, dans la, la cour de récréation, mais... J'ai une, une mère qui n'est pas bretonne, elle est savoyarde, donc elle a relevé jusqu'en 1860 de la Maison de Savoie, euh, du royaume de Piémont-Sardaigne, et donc mes, mes camarades italiens... Ils étaient traités de Rital dans la cour de récréation en 1960. Et moi, c'était bien parce que mon père était un aigle, ma mère était une Rital. Là, franchement, j'étais un excellent candidat pour la cour de récréation. Bon, ça vous stimule dans les études, d'ailleurs, en fait. Mais, enfin, vous voyez, c'est important de voir qu'aujourd'hui, le fait de vous refuser un appartement, de vous refuser à l'embauche, parce que vous vous appelez Pablo comme prénom, Bon, aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup mieux que si vous vous appelez Walid. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des facteurs de changement. Oui. Et donc, c'est pas, ce sont pas des situations désespérées. Bon, quand on explique aux Français que les Francs parlaient allemand, ils vous croient pas. D'abord, hein, Première chose, il y a le Royaume France. Quand j'explique que Charlemagne, c'était pas que ça j'appelle pour rien, il parlait, il parlait allemand. Donc, il y a des choses qui, qui sont perçues comme l'altérité absolue la chose indépassable, la chose qui n'est vraiment pas des nôtres et qui deviennent des nôtres au fil ah. du temps au fil des connaissances et c'est important tu, à tu, comprendre. donc tu, tu réponds je dirais sur le, le, le champ culturel parce que le, oui mais sur une dimension très 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 comment dire très transverse. Euh, tu n'as pas donné un point d'application concret, par exemple dans le débat politique, dans le débat de la prochaine présidentielle, que sais-je, sur un, un sujet particulier. Mais bah, en tout cas, euh, on va y revenir parce que ce, ce que tu dis euh, résonne avec la question euh, et la place de, de l'identité. Euh, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'identité dans, dans le contexte que nous évoquons et Évidemment, la réponse varie. Bon, peut-être même question. Est-ce que tu penses sur le débat politique euh, concret Qu'est-ce qui peut déboucher de cette de, de l'énergie, de la dynamique de cette avec ses excès d'ailleurs, mais qu'on a, qu a évoqué, mais de cette de ce mouvement Pour être assez concret, et, et bien, parce que je pense que Léna a dit beaucoup de choses sur le, le contexte qui arrive, je vais essayer d'être très précis sur un point. Il va y avoir en termes des sociétés, des pays, euh, deux formes de réaction. Il y a des pays qui vont digérer dans la lutte contre les discriminations assez bien ce qu'on est en train de dire. Ils sont eux-mêmes métissés, ils sont eux-mêmes relativement à l'aise dans leur mutations, les opinions publiques vont accompagner ces mutations et c'est exactement comme pour le débat sur la parité, le processus va se mettre en place, la loi y jouera un rôle, la lutte contre la discrimination se mettra en branle, il y aura une ouverture d'esprit qui fera que progressivement dans le monde de l'entreprise, par exemple dans le monde politique, l'autre aura toute sa place et son équité et qu'on sanctionnera beaucoup plus fortement les discriminations dans certains cas et les histoires s'ouvriront. Parce que c'est toujours compliqué, parce que l'histoire, c'est souvent le reflet avec 20 ans de retard des sociétés qui mutent, se mettra en place. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est du concret. Une partie des États vont faire ça. Et je pense que la majorité des États vont faire ça. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y aura d'autres États qui vont se crisper. L'Amérique, aujourd'hui, personne ne sait vers quel chemin elle va s'engager dans les années qui viennent. L'Amérique de Trump a été une Amérique qui a énormément crispé la situation après les 8 ans d'Obama. A énormément fait remonter la question sociale. Pour ceux qui ont regardé hier soir Arte, il y avait un très bon documentaire sur l'histoire du Cucus-Clan. Et l'histoire du Cucus-Clan, c'est une sinusoïde sur le XXe siècle, fin XIXe, tout le XXe siècle, et qui est un très bon reflet des crises américaines. Et il peut y avoir des États, le Brésil est un très bon exemple aussi qui nous questionne, l'Inde de maudit. Ce n'est pas un pays qui n'est pas en crispation en ce moment. L'Inde est en train de se crisper sur ses identités. Donc on va avoir comme ça des pays qui vont. L'Allemagne a surpris tout le monde en 2015. Et en même temps, l'Allemagne de Merkel est un pays qui fait un travail remarquable sur l'histoire coloniale allemande. En ce moment, Merkel, par exemple, a donné, a demandé, a donné des excuses à la Namibie sur ce qui s'était passé dans le passé. Alors ça nous dit, mais pourquoi l'Allemagne fait ça aujourd'hui ben, Elle fait ça parce qu'elle comprend qu'après avoir travaillé la mémoire de la Shoah, il faut aussi savoir travailler les autres mémoires qui peuvent avoir, dans des sociétés comme l'Allemande qui se métissent, un rapport neutre à l'histoire et sortir des vieilles guerres. et bien, il y a des pays qui vont le faire et d'autres qui vont se crisper. Quand vous prenez un pays comme l'Italie, la question exemple, du racisme antinois en Italie devient une question prégnante dans les débats politiques. Et pendant très longtemps, on dit Mais de quoi il nous parle Ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus. Oui, mais l'Italie mussolinienne avec la guerre de l'Éthiopie, tout ça est remonté. Et l'Italie de Salvini, aujourd'hui, un pays où ces questions sont omniprésentes. Ce pas des petits sujets. Alors des fois, ils repassent par la fenêtre. Et puis à un moment, ils occupent le devant de la scène. Et puis à un moment, ça devient des sujets fondateurs de la manière dont la choix d'une nation pourrait être dans un côté ou de l'autre. Et je ne suis pas qu'optimiste. Je suis très optimiste sur beaucoup de nations qui font faire ce travail. Pour certaines contraintes forcées, pour d'autres en prenant pleinement conscience, je trouve que l'Allemagne est sur la très bonne voie là-dessus, et d'autres ça va être extrêmement crispé sur ces enjeux. L'Amérique est un l'Amérique de Trump est un très bon exemple des crispations. À l'inverse, par exemple, du Canada. On voit donc que les choix politiques peuvent induire des politiques différentes, et en même temps il y a un juste équilibre à trouver. Mais pas simplement en Occident. Hein, Ce que je vous dis là, l'Égypte a totalement échoué à garder sa part de chrétienté, et elle a mis dehors plus de 8 millions de personnes qui n'étaient pas Conforme à la norme de l'arabité et de l'islam. Donc, ce qu'on est en train de faire. La Syrie vient de connaître une sorte d'histoire qui a épuré le pays de ses minorités aussi. Attention, ce qui nous arrive n'arrive pas que dans les pays occidentaux. Hein. Euh, L'Afrique du Sud a un rapport très compliqué à l'autre et à ses immigrés aujourd'hui. Ce n'est pas un petit sujet. Donc, c'est la thématique qu'on est en train d'aborder de l'identité dont tu parlais tout à l'heure, du poids des mémoires et du passé colonial, de la manière dont la diversité se pense. Nous sommes dans un temps qui devient divers parce que la mondialisation est là, parce que nos enfants vont travailler dans d'autres pays, parce que nous circulons, parce que nous allons circuler de plus en plus malgré le Covid, mais on va prendre un peu de temps, peut-être circuler différemment, mais en tout cas, les idées traversent les frontières, les gens traversent les frontières, les gens se marient entre les frontières. Nous ne nous marions plus comme au 19e siècle, à moins de 25 km de l'endroit où on est né. Mais c'est une révolution monstrueuse. Et là, ça parle peut-être de 3000, 4000, 5000 kilomètres. Tout ça fait qu'il va y avoir des éléments extrêmement positifs qui vont se matiner, qui vont s'adapter au temps nouveau. Et il va y avoir de très, très fortes réticences. Car certains, l'identité, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Quand vous demandiez à un africain blanc dans les années 50 pourquoi il votait pour le Parti National ou pour l'apartheid, il vous disait pour défendre ça. Parce que ça, ça résumait toute sa puissance. Ça résumait toute son idéologie. Ça résumait toute sa légitimité à être en Afrique du Sud. Et donc, ça légitimait son vote. Donc, il faut pas se leurrer. L'identité, ce n'est pas que des choses abstraites que les gens ont en eux. Non, on le sait ce que ça a pu produire dans l'histoire. On sait que le, le, le pays le plus éclairé d'Europe a produit le nazisme. Ce n'est pas qu'un rapport à l'intelligence, ce n'est pas un rapport qu'à la culture. C'est aussi un rapport au comportement, à la manière dont on digère ces idées très complexes du vivre ensemble, la manière dont on digère son histoire et ses frustrations de l'histoire. La haine des Noirs de Hitler, c'est quatre pages qu'il faut que tout le monde lise. Il n'y avait pas dans Mein Kampf que la haine des Juifs, il y avait quatre pages sur la honte noire. Et pour lui, la France était le symbole d'un peuple qui avait envoyé des Noirs sur le Rhin et sur la Roure pour détruire la race allemande. C'est-à-dire que ces fantasmes-là ont conduit les Allemands, en mai-juin 1940, à tuer tous les types. Beaucoup de tirailleurs sénégalais qu'ils rencontraient dans la campagne de France. Pas les tuer au combat, les tuer quand ils se rendaient comme prisonniers. C'est-à-dire qu'on le sait, le racisme, les idéologies, la haine, l'identité peuvent produire des choses qui sont tectoniques. Bernard. Et c'est le poids de l'histoire et ce qui me frappe c'est qu'il y a un mot que tu n'as pas prononcé dans toute cette euh, ce paysage bon il y en a attaqué sur euh, d'autres parties du monde mais c'est l'Europe c'est est-ce qu'il a est-ce qu'il y a une capacité euh, sur euh Aujourd'hui, d'avoir une, une vision commune, euh, au moins au niveau euh, européen Est-ce que, est, est que ça peut être un, un lien entre les jeunes générations Et si pas, tu n'y crois pas du tout, tout. Et, et tu, tu pas du tout Donc est-ce que ce n'est pas très inquiétant sur non, notre capacité que... à, à construire et à, et à, et à faire exister le, la, les, valeurs, les valeurs européennes Non, parce qu'un pays comme la Hongrie a euh, matiné ses questions identitaires depuis Orban d'une certaine manière et a emmené la Hongrie vers un cheminement, alors qu'un pays comme la Suède et d'autres. Sont sur, sur des cheminements tout à fait autres. Je pense que l'histoire d'un pays, les frustrations d'un pays, la manière d'avoir géré l'immigration ou les identités, la manière même dont le pays se regarde, on se regarde au monde. Le Portugal devrait être un pays très tendu sur la question de l'immigration parce que c'est les derniers à avoir décolonisé. Ben, Ce n'est pas ça qui se passe. Parce qu'il y a eu des politiques publiques, parce qu'il y a eu une réflexion sur le métissage qui est très différent d'un pays comme la Hongrie. La Hongrie est un pays qui se pense, mais nous on croit que ça vient d'Orban. Mais Orban, il est héritier de quoi De la dernière fois, on a arrêté les musulmans au port de Vienne. C'est une très très longue histoire en Hongrie. Et ce que les gens ne comprennent pas, celui qui détient le pouvoir de l'histoire en Hongrie, il raconte aussi une manière de parler du présent aux gens. Il y a tout ça qui se et on Et nous n'avons pas la même histoire que les Polonais. On n'a pas la même histoire que les Hollandais. Et donc, dans nos récits, nous ne rêvons pas d'une Europe qui va digérer tout ça. Il y a des pays ex puissances coloniales en Europe, et il y en a d'autres qui ne sont pas des puissances coloniales, qui n'ont jamais été des pays colonisateurs. Ça ne veut pas dire que la Pologne n'a pas un regard sur les Noirs. C'est ça qu'il faut qu'on entende. Et donc, l'Europe n'est pas capable, en tout cas aujourd'hui, d'avoir une politique unique sur ces enjeux-là. Le rapport à son histoire nationale est encore extrêmement présent, même si l'Union européenne... Parce que ça ne veut pas dire qu'elle est incapable, dans cette configuration-ci, euh, de, de Il faudrait porter une génération. un projet identitaire commun. Il faudrait une génération. Il faudrait une vraie génération. D'ailleurs, on le voit, l'Union européenne est très incitative en ce moment. Vote des motions, met des politiques publiques en place, fait un travail sur la mémoire extrêmement intéressant. Certainement pas suffisant, mais souvent bien plus dynamique que beaucoup d'États. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique et une volonté de l'Union européenne à être très actif là-dessus. De là à ce que ce soit digéré et que ça ruisselle sur l'ensemble des pays, j'ai un grand doute encore aujourd'hui. Sur ce ruissellement international. De que, non mais je euh, partage du... tout à fait l'idée que ça va être incroyablement différencié et que le pas de temps, c'est la génération. Euh, par exemple, prenez l'endogamie la France est très en avance sur la plupart des autres pays d'Europe sur les mariages mixtes. Mix entre les pays d'origine ou mix entre les religions. Bon. Euh, au contraire, la, la, la Grande-Bretagne est extrêmement endogame dans des communautés. L'idéologie du communautarisme crée des différences très importantes. Plus vous avez de s'emmêler entre entre guillemets, je le, leur le, le mot de sangor, euh, petite éloge du métissage, mais euh, qui. qui, qui mais, qui est aujourd'hui critiqué. Il y, a, il y a des gens qui osent faire une théorie de lentre deux louche, de l'hybridation euh, suspecte. Donc, mais enfin bon, soyons sangoriens un peu et faisons l'éloge du métissage culturel. Je aussi, hein. <laughs> oui, oui. Et, et, et donc, c'est tellement... C'est des histoires tellement intimes tellement sensible et tellement différentes d'un pays à l'autre. Une petite inquiétude, c'est qu'il y a une baisse des mariages mixtes au... en France. Bon. Mais enfin, on est de toute façon tellement euh, plus haut que, que tous les autres. Dire, on, est, on est à 1% de mariages mixtes entre religions ou entre, enfin, entre les diverses communautés en Grande-Bretagne. Bon. Et, et, et aux États-Unis, alors franchement, il y a incroyablement peu. De, de, de mariage mixte, hein. le, le, le maire de New York est vraiment vraiment l'un des seuls grands notables à, à, à avoir une famille métisse. Ça paraît même pas vraiment très naturel des démocrates qui, qui l'ont élu. Enfin bon, donc voilà, je pense que c'est effectivement des, des phénomènes délicats, mais ce, ce qu'on a observé dans le temps, c'est que on ne classe plus en minorité les Irlandais. Alors que quand Kennedy a été élu, c'était vraiment une minorité visible. Il les non catholiques. considérés comme non-blancs au début du XXe siècle, je vous le rappelle, aux États-Unis. L'Irlandais n'était pas un blanc. Alors et Il viendrait à personne de prendre un argentin à l'Académie française et de lui dire, toi tu es colore, toi tu, tu es latino. Bon, mais les latinos sont une minorité non-blanche. Mais il compense, c'est moins familier de penser que les Irlandais catholiques étaient des non-blancs. Donc, ça veut dire qu'il y a une plasticité du phénomène. Et, positif. Il, il, nous reste, il nous reste six minutes. Je, je voudrais juste, pour terminer ce, 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 ce dialogue passionnant, euh, on a vu tous les, tous les, 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 les syndromes euh, du, du phénomène, euh, la, sa dynamique, euh, les espoirs qu'on peut en avoir. Il on, on, y a aussi des, des choses qui viennent se greffer dessus et qui peuvent être aussi euh, euh, non seulement inquiétants en soi, mais, 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 mais pervertir, voire euh, euh, avoir un effet très négatif en, sur euh, les valeurs positives dont on vient de parler. Tu, tu l'as évoqué à un moment tout à l'heure, Pascal, c'est la, la cancel culture, c'est l'idée d'aller dans le bon, dans le négationnisme, le, le, re, le refouler, etc. Et avec en plus euh, comme un, un réceptacle, un certain nombre d'extrêmes, euh, alors euh, des radicalités, c'est le mot poli pour le dire, de l'intolérance, c'est parfois. Le... Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire, comme, et qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce sujet pour justement éviter que ces dérapages et éviter que euh, les, les valeurs positives qui sont portées par ces générations soient dévalorisées ou, 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 ou comment dire, ou abîmées par euh, les excès de, de, de ces radicalités-là. Plus qu'excès, c'est -ce, la méthode. La méthode, elle consiste à dire qu'au nom d'une bonne morale. Quelques individus peuvent décider de brûler un livre, effacer, parce que la cancel culture, ça veut dire ça, effacer un individu, ou vous désigner à invendic comme quoi vous ne seriez pas conforme à la norme. Alors comme on cite toujours les exemples les plus, au moment de l'affaire MeToo, les plus inexcusables, donc incapables de s'excuser, qui ont violenté, violé, agressé les femmes, on est tous d'accord dessus, parce qu'on se dit à un moment, vu le bilan qu'elle sien, on peut comprendre qu'il est effacé, mais il faut faire extrêmement attention parce que maintenant la cancel culture, elle va jusqu'à... Condamner un directeur de musée d'un musée aux États-Unis qui a osé dire qu'il ferait encore une exposition avec des, des peintures blanches. Et ce monsieur est obligé de démissionner quelques semaines plus tard parce qu'il est tombé totalement sous la vindique publique. Et ça veut dire quoi Et on le sait tous parce que c'était des pratiques qui, à une époque, appartenaient à d'autres extrêmes qui était de désigner des boucs émissaires, désigner des gens pas aux normes, désigner des gens qui ne vivaient pas dans la norme. Et l'extrême droite a été extrêmement douée pour faire comme ça dans l'entre-deux-guerres. Et en fait, comme ceux qui tiennent un discours le plus radical possible savent qu'ils ne seront jamais majoritaires. Ils le savent. Ils savent qu'ils n'accéderont jamais au pouvoir. Mais par contre, ils ont un rapport de force avec la société pour imposer leur idée. Et donc, vous le savez comme moi, comme on ne sait jamais majoritaire dans vos idées, bah, vous la posez autrement. Et là, quand cette culture qui, en fin de compte, n'existe que parce que le web existe et que les réseaux sociaux existent, est quelque chose qui, par le buzz, quelque part, va désigner quelqu'un pour qu'il doit disparaître du jeu, pour imposer une forme de bonne morale. Leur principe, à la base, il est très, très simple. On va imposer la morale par le rapport de force ou la bonne morale. Et. Quelque part, ça peut être très perturbant parce que ça peut faire que beaucoup soient en retranchement sur ce qu'on est en train de se dire, qu'il va falloir savoir évoluer. On l'a dit, une génération, Avec Lionel, oui, il faut du temps. Et en même temps, certains peuvent être en tension, et c'est ça qui me fait très peur dans certains États, que certains y retrouvent leur identité comme dernier territoire de combat, par exemple des petits blancs. Mais de l'autre côté, c'est le même débat qui existe aux États-Unis quand il y avait Farrakhan d'un côté et Martin Luther King de l'autre. c'est pas la même manière de combattre les discriminations et la ségrégation aux États-Unis. Il y a donc des façons, et aujourd'hui on se rend compte qu'il faut se battre sur les deux registres. D'un côté, il faut se battre contre ceux qui ne veulent pas que nos sociétés changent et écouter l'autre et l'histoire de l'autre, la mémoire de l'autre, parler des discriminations, parler de l'histoire coloniale. C'est un combat, et puis je peux vous dire qu'il est féroce parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ça changer. Et de l'autre côté, il faut aussi, je pense, se battre contre ceux qui veulent imposer une forme de nouvelle morale qui est souvent fondée sur l'identité ou le genre, et qui d'une certaine manière sont très intolérants. C'est-à-dire que je n'ai pas envie des deux mondes qui veulent fabriquer. Et je pense en plus que la grande majorité des gens sont entre les deux, mais c'est logique qu'on les entende moins, puisqu'ils n'ont aucune chose à revendiquer d'un modèle unique, puisqu'ils sont d'accord pour accepter ce qu'on disait tout à fait au début avec Lionel, ils ont des mémoires différentes. Ils ont certes une histoire en commun, ils savent que leurs enfants, par l'éducation, par le savoir, vont arriver à trouver leur place, mais que c'est long, voire trop long, voire que de temps en temps ça les énerve de devoir attendre et de trouver injustes les discriminations qui durent, mais ils ont parfaitement compris qu'on ne change pas le monde avec une coup de baguette magique. Et surtout pas en effaçant des gens, parce qu'ils ne seraient pas dans la bonne morale. Et on voit bien qu'en ce moment, vous pouvez être tout seul devant votre ordinateur et avoir la puissance de frappe, quelque part, d'une arme médiatique incroyable. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est très compliqué, parce qu'entre dire, il faut du temps pour que le savoir se diffuse. Et donc, infuse dans les changements des comportements, des habitudes, et crée de la prise de conscience, Bah oui, faire un film sur les décolonisations, c'est deux ans de travail, faire un tweet, c'est 20 secondes. Et la différence, elle est là. Alors, la seul seule chose qui me rassure, c'est que les films restent, les tweets partent. Mais quand même, sur le fond, il y a quelque chose qu'il faut combattre au quotidien là-dessus, parce que ça donne une vision extrêmement violente des enjeux. Ça donne le sentiment qu'on est piégé dans son identité à vie. Ça donne le sentiment qu'il y aurait, par exemple, des victimes et des bourreaux éternels. Ça donne le sentiment que le monde identitaire deviendrait le seul modèle et la seule matrice du monde. Et ben, il faut se battre contre ça, et c'est compliqué, parce que les deux extrêmes font du bruit. Les tweets partent, mais enfin, ils restent aussi parce qu'il y a l'empreinte numérique. Oh oui. Et voilà. Donc euh, non, mais c'est ah, ouais, Lionel, ta Non, mais ne, notre seul avenir n'est la, la, la violence. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement, on a un, un peu moins de violence physique et beaucoup plus de violence verbale, qui peut amener à des suicides. Mais de oui, mais là, il y a vraiment des responsabilités politiques. Enfin, regardez, il y avait quelque chose de curieux dans la campagne électorale de 2017. C'était un des thèmes d'Emmanuel Macron sur la bienveillance, faire une société de bienveillance. Quelque chose qui a été vilipendé et autres, reconnaître le caractère multiculturel de la société française. C'est quelque chose qu'on a oublié. Moi, j'attends avec impatience la prochaine campagne électorale, parce que c'est des thèmes qu'on oublie entre deux campagnes électorales. Mais c est, c est, c est, c est là, les, les politiques ont une responsabilité. Moi, je pense que l'immense majorité des politiques... Sont républicains, partagent les mêmes valeurs, et je pense qu'ils font, ils font en bonne partie le travail. Euh, dans, mon, dans, ma, dans ma, dans ma jeunesse, euh, réprimer une manifestation, ça faisait toujours plusieurs morts. Et ça paraissait assez naturel que les forces de l'ordre noient un certain nombre de manifestants ou les, ou les, ou les tuent dans une, dans une bouche de métro. Vous imaginez aujourd'hui, quand il y, a, il y a deux blessés, quand un mouvement comme les, 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 les Gilets jaunes. imaginez. Le, le, mais il aurait, il aurait fait quoi Il aurait fait 500 morts en, en un an. Donc je pense que notre avenir n'est pas. Pas la violence, je ne pense pas que la société soit si violente que ce qui est représenté par les gens qui ont pour fond de commerce l'insécurité. La sécurité, la violence, la fracture, la Oui, enfin bon, oui, mais enfin, c'est des tweets, quoi, effectivement, et ce pas des tweets de Trump, c'est des tweets d'anonymes, etc. Et, 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 et donc, je, je pense qu'il ne faut, faut pas être complaisant avec cette idée que nous sommes une société de plus en plus violente. Quand on se promène un peu dans le monde, ce qui m'arrive, euh, franchement, euh, la France n'est pas une société de violence et de fracture. Simplement, elle ne l'est pas, à condition qu'il y ait encore quelques candidats en 2022 qui fassent euh, une campagne sur les valeurs européennes, la règle de droit, la bienveillance, une société multiculturelle. Euh, pour l'instant, je pense que la vaste majorité des gens qui ont une chance d'être élus, sauf une personne, euh, sont dans ce sens. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est une projection vers un avenir proche euh, qui fait une bonne conclusion à ce débat. J'espère que vous avez pu, euh, comme moi, euh, entendre et, et profiter de, ce, de la hauteur de vue de nos deux euh, invités. Et euh, je pense que c'est effectivement un sujet de, de fond qui, qui est complexe, qui ne se traite pas pour le coup sur un tweet ou en deux minutes. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup de, de patience, de bienveillance, de connaissance. De tolérance, voilà. Donc, euh, avec les Grac et le printemps de l'économie, on est heureux d'avoir pu euh, passer ce temps avec vous euh, tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi.